Comment voulez-vous que je paye des prix pareils, je vous le demande? Que s'est-il passé? Votre frère. Qu'a-t-il encore fait cette fois? Les journaux n'en ont que pour le meurtre de Tupeni. Et, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un a volé les plaques de la planche à billets. Est-ce aussi du fait de Jacob? Ça m'étonnerait. Les gens se méfient des banques. Et de la monnaie, les prix vont grimper. Il y aura des émeutes. Les usines partiront en Amérique, où la main-d'œuvre est moins chère. En un mot, le déclin de l'Angleterre. Jacob, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Attendez. Et si j'allais remettre les plaques à la banque? Eh bien, ça nous aiderait. Mieux encore, cela mettrait un terme aux rumeurs sur le meurtre de Tupeni. Et la confiance dans l'économie serait rétablie. Comptez sur moi. L'Angleterre échappera au chaos. Oh, et si cela ne vous gêne pas, pourriez-vous détruire tous les faux billets que vous trouverez avant qu'ils ne soient mis en circulation? Bien sûr. C'est gentil de venir nous prêter ma forme. Suivez-moi. La fausse monnaie est écoulée tout près d'ici. Enfin, si l'on peut parler de fausse monnaie. Avec ces plaques, il est quasi impossible de distinguer les vrais billets des faux. Monsieur Haberlin. Si ces billets circulent... Enfin, vous êtes déjà au courant. Quand les gens n'ont plus confiance dans leur monnaie, il y a déjà eu des émeutes. Monsieur Haberlin. J'ai entièrement confiance en vous, Miss Fry. Vous deux, avec moi. Je ne tiens pas à me faire voler en allant au chariot. Les faux monnayeurs. T'as entendu parler de cette émeute à la banque? Ils peuvent s'agiter tant qu'ils veulent. On ne rendra pas ces plaques. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas comme si c'était du véritable argent. Depuis qu'on a les plaques d'imprimerie, c'est du véritable argent. T'as entendu cette foule? On dirait que Londres tout entier se rebelle. Ça n'a rien à voir avec nous. Quand je pense que Jacob a réussi à mettre en péril toute l'économie, Père avait raison. Il agit sans réfléchir et sans aucun remords. Où allons-nous, monsieur? Allons-y. Ne vous endormez pas. N'importe qui peut essayer d'entrer. Gardez bien cet endroit sous-clé. Oui, monsieur. Montez la garde, comme s'il s'agissait de la Banque d'Angleterre. Monsieur. Oh!
and herbaceous perennials again. You hear me? Il ne me reste plus qu'à les remettre à la banque. Elle me plaît pas. J'attends plus de précautions de la Banque d'Angleterre. Ça suffit. Ressortez tout de suite. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? On entre ici comme dans un moulin. Voilà. Elles sont de retour à leur place. Rien à faire là.
Wow. Ah, les journaux racontent qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Plus d'émeutes. La confiance dans les banques est revenue. Je vais pouvoir passer une nuit tranquille. Miss Fry, je ne vous remercierai jamais assez. Ravi que nous ayons évité la catastrophe, sergent. Mais c'est plutôt Jacob qui devrait me remercier. Vous voulez bien me rappeler où nous allons ? J'ai trouvé une lettre du prince consort dans les papiers de Lucy Sorne. Elle porte le même emblème que votre clé. Et elle date de 1847. 1847 ? L'année même où le prince a lancé des rénovations à Buckingham Palace. Il fait bâtir une crypte pour le sueur. Et comme aucun plan du palais ne fait mention de cette fameuse crypte secrète... Votre Altesse, puis-je vous présenter Miss Evie Fry ? Miss Fry, le Maharaja du Lip Sing. Un plaisir, Votre Altesse. Mon ami, les plans que vous cherchez ont été déplacés. Déplacés ? Par qui ? Crawford Starrick, ou l'un de ses employés. Oui, je savais que ce nom vous serait familier. Je sais où ils se trouvent, mais ils sont sous bonne garde. Il en faudra plus pour m'arrêter. Je m'en doutais. Nous aurons besoin d'un plan. Je peux m'arranger pour attirer l'attention des gardes pendant que vous entrez. Oh, vraiment ? Pour vous, Evie, j'en serais ravi. Bien. Je trouverai quelqu'un qui saura où sont ces documents. Et nous nous retrouverons à bord du train. Sois prudent. Huh.
Quel est le plan? À votre signal, j'attire les gardes. Puis j'utiliserai une bombe fumigène afin de m'enfuir. Et moi, je profiterai de la confusion. Prêt? Absolument. Suffisamment moqué de nous. Il est là-bas, par là. Pas ça. Rien ici.
Non, je vais devoir demander à quelqu'un où sont ses plans. Je vais te briser les reins. Je vous le jure, Miss, je ne sais pas où on l'a emmené. Emmené qui? L'homme habillé comme vous. Les gardes l'ont attrapé. Henry, les plans que vous avez volés, où sont-ils? Je ne sais rien à ce sujet. Les plans, la mission.
Vous êtes des orphelins de Clara? Ils ont capturé Monsieur Henry. On n'a rien pu faire. Mais quand même, j'en ai mordu un. Ils l'ont emmené dans une voiture rouge. Ils n'iront pas loin. Une des roues avait l'air prête à se détacher. Ça se voit sur les traces. Elles ne sont pas droites. Ce chariot a été percuté. Ils doivent rouler vite. Aussi les gens. Et destruction du domaine public. Je suis sur la bonne piste. Être la voiture, je l'ai trouvée. J'ai bien envie de maintenant, voir ce que Henry.
droit d'être ici. J'aurais juré que j'avais fermé cette porte. Elle est censée être fermée. Encore des gamins qui se sont amusés, sûrement. Je trouverai le coupable. Dead and done, this one. Même quand on était enfant, t'étais toujours du mauvais côté. Smells like a drowned sewer rat. À propos de la voiture, mais il s'est passé de drôles de choses par ici aujourd'hui. Toutes sortes de gens louches, et je pèse mes mots, qui traînent dans le coin, armés jusqu'aux dents. Je n'aime pas ça. Si tu te crois en mauvaise posture, attends que je mette la main sur toi. She's hiding. Oh!
filer de main morte. Ça risque de prendre un moment. Vous lui avez pas allumé la cervelle. C'est un assassin. Sa cervelle est déjà bien abîmée. Ils vous ont fait mal? Tout va bien. Partons. Et les plans? Où sont-ils? Oubliez les plans! Eddie, je suis navré. Essayons de rester en vie, Henry. Tu m'aides. Compte sur moi. Je crois que c'est toi qui m'a dit ensuite. Allez montrer ça, Miss Nightingale. Je dois trouver la crypte et le suaire avant Starik. Retournons voir le Maharaja. J'irai parler au Maharaja, aller faire examiner votre blessure. Je suis navré que ma capture ait contrarié vos plans. Vous seriez plus en sûreté dans le train. Même si vous trouvez la crypte, vous ne pouvez pas vous rendre seul à Buckingham Palace. Je ne serai pas seul. On se retrouvera dans le train, Monsieur Green.